Ces citronniers ont été obtenus grâce à trois branches a priori fructifères du citronnier d'une de mes amies. Ils ont été en pot pendant plusieurs années. Puis je me suis décidée à les mettre en pleine terre, bien à l'abri d'une haie qui coupe les vents du nord. Je vois une abeille en train de butiner. Elle me semble encore assez active. La température de ce mois de novembre lui convient aussi. Les petits citrons sont en train de se former. Je peux constater que ces jours de pluie ont quand même provoqué une attaque sur les feuilles. Elles ont un peu noirci. L'arbre est en bonne santé. Je ne connais pas la maladie qui semble toucher certaines feuilles, mais dans le doute, je viendrai dès que la pluie s'arrête carrément couper les feuilles malades. La quantité de fleurs est impressionnante cette année. Ces jeunes arbres n'ont jamais eu autant de fleurs. L'été a été très sec, un peu comme chaque année dans notre midi. On voit plusieurs stades de floraison, un citron un peu plus gros se cache à l'arrière de cet arbre. Les jeunes pousses profitent de ces pluies intenses sur le midi pour se développer à une allure très rapide. Cette petite abeille est totalement sauvage. Il y en a beaucoup dans les arbres de notre secteur. Un ami apiculteur qui a perdu beaucoup de ses ruches a tenté de trouver l'essaim. On n'y est pas arrivé. Aussi, il m'a demandé pendant tout l'été de laisser de l'eau afin que nos amis les abeilles puissent survivre à la chaleur de nos régions. Les abeilles sont en voie de disparition partout. Et cet ami apiculteur est très content de voir la vitalité et la bonne santé de mes petites amies, parfois envahissantes dans le jardin. Elles ont bien sûr eu de l'eau tout l'été, grâce à l'arrosage automatique et à plusieurs belles réserves d'eau. Aucun produit chimique n'est utilisé dans le jardin. Le compost est réalisé avec les déchets alimentaires, les tentes de gazon, les feuilles mortes. Elle passe de fleur en fleur. J'ai un petit peu du mal à la suivre, tellement elle est bien énergique et vraiment pas endormie. Les abeilles sont les alliées du jardin et en leur laissant de l'eau, je suis un peu leur alliée. Elles sont déjà beaucoup moins mes amies quand elles veulent rentrer dans le conduit de la cheminée ou comme il y a une dizaine d'années,
entre l'espace-fenêtre et les volets, avec un essaim d'une importance incroyable et un apiculteur à l'époque qui a essayé de récupérer la reine n'a pas réussi, ce qui m'a valu des abeilles dans toute la maison pendant de nombreux jours alors que ma fille était toute petite, encore bébé. Il n'était pas facile à l'époque de vivre et de se débarrasser de ces insectes indésirables dans la maison. On peut constater que ces dernières fleurs de l'année attirent bien d'autres insectes. De gros orages et encore deux grosses journées de pluie sont annoncés dès cette nuit sur nos régions. Je me demande si ces abeilles ne font pas les dernières provisions de nourriture avant les froids qui sont annoncés d'ici la semaine prochaine. Dans les arbres tout autour, il y a beaucoup de frelons. Pour aider notre ami apiculteur, nous avons convenu que si l'on voyait un nid de frelons asiatiques, il y en a eu dans certains villages de Vonage ces dernières années. Donc pour aider notre ami apiculteur, nous avons convenu de l'informer en cas de l'apparition d'un nid de frelons asiatiques